Le Team EDF, c'est 20 athlètes de haut niveau issus des sports parrainés par le groupe. Natation, canoë-kayak, aviron et handisport. Avec un objectif commun, participer aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres 2012, dont EDF est sponsor officiel et partenaire développement durable. Quelle que soit leur discipline, ces champions d'exception sont aussi engagés dans un défi collectif, changer l'énergie ensemble, c'est-à-dire modifier nos modes de consommation énergétique. L'eau, celle des piscines olympiques et des stades d'eau vive, mais aussi en beaucoup plus grande quantité, celle des barrages d'EDF, comme ici à Tignes. Parce que l'eau est au cœur de leur pratique sportive, les nageurs, les rameurs et les kayakistes du Team EDF ont visité les entrailles de cet ouvrage gigantesque. Et on se sent d'autant plus concernés, les kayakistes, étant donné qu'on navigue au pied des barrages. Mais au-delà du sport et des compétitions, ce sont aussi des athlètes qui aiment se retrouver. Ça fait plaisir de se retrouver tous ensemble en dehors du sport. Quoi. C'est vraiment une famille à côté, une vie à part. Le point commun, c'est le sport, parce que c'est tout ce qui nous rejoint. Mais là, on n'est pas là pour le sport. Quoi. On est là pour se retrouver ensemble et partager les valeurs communes entre le sport, EDF et puis le développement durable. Et voilà, je pense que cette équipe, elle est belle, elle est forte et elle a encore de beaux objectifs à remplir. Salut, à la prochaine. Hein.